la quoi ils prennent, ils regardent juste en regardant ça, puisque eux c'est les esprits, ils voient ça. Vous ne voyez pas ça, mais eux voient ça, ils voient le poisson là. Et vous le bordent. À travers ça, ils seront tous sur vous. Parce que toutes les informations sont là. Quand vous parlez, quand vous entendez bien les pieds là, c'est quoi? C'est pas prendre le mot et laver les pieds, non. Bien les pieds là, c'est pas prendre le laver les pieds. Bien les pieds là, c'est quoi? C'est marcher, c'est la marche. C'est la marche. Là, c'est la savate. Il y a quelqu'un qui est là, qui lance la savate. Tu lances la savate à 6. Parce que les trucs là, regardez vos pieds. Prenez comment ça va partir de vos pieds. Et voilà, vos poissons après. C'est comme ça. Il faut marcher. Il faut marcher. Et tel est même, tel est aussi le message caché dans Idriss Soule qui a marché depuis là-bas. Fait comme ça. Et je suis un grand marcheur, quoi que ce soit ça. Un très grand marcheur. Il n'a pas de moto. Il n'a pas de voiture. C'est un marcheur. Le poisson d'avril, vous savez aussi, c'est quoi? Le poisson d'avril, c'est aussi lui le poisson qui a avalé Judas. C'est dans le Coran, Dieu a parlé plusieurs fois de poisson. Hein? Poisson dans l'histoire de Moïse. J'en ai parlé tout à l'heure. Poisson dans l'histoire des gens de Saba. Il y a aussi poisson dans l'histoire de Judas. Le poisson qui a avalé Judas, c'était quoi? C'était le poisson d'avril. Parce que Judas était le nom de ceux qui disaient que le poisson d'avril est mensonge. Judas, ce prophète est-il là? Il est le nom de ceux qui disaient que le poisson d'avril est mensonge. Et puis le poisson d'avril est venu la balayer. Yes. Poisson d'avril. Qui a parlé.